Et salut à tous, c'est Waltex Foot. Aujourd'hui, on se retrouve sur FLS Sport pour commenter ce live multiplex de Ligue 2 de cette 22e journée. Salut à tous ceux qui sont déjà là. Merci aussi aux modos qui sont là. On va direct commencer par les compositions de toutes les équipes de ce multiplex. Il y a 8 matchs au rendez-vous. Donc, il y a Caen, Bastia, Dijon, Niort, Havre, le Havre pardon, contre le Paris FC, Nîmes, Grenoble, Pau, Bordeaux, Quevilly-Rouen contre Guingamp, Rodez contre Sochaux, Valenciennes contre Laval dans ce multiplex. On va direct commencer par les compositions de Caen contre Bastia. On commence avec Ogol, Anthony Mondrea, Abdi, Thomas, Cissé, Ntim, Mbok, Dobin, Salteros, Brahimi, Kierme et Mendy. Côté Bastia, Placide, Caïbou, Indiad, Sanity, Tavares, Sales, Ducroc, Vanden, Alfarella, Santelli, Schur. Côté entre Dijon et Niort, on commence voilà, côté Dijonais avec Alaba,
Alors non, c'est pas René. Non. Alabjé, Joly, Touré, Koulibaly, Traoré, Ndong, JCP, Silva, Jacob, Nissi et Le Bihan. Côté Niortais, Michel, Ogol, Bernard, Conté, Passy, Durivo, Ngom, Zemzeni, Caboret, c'est très long, hein. Ola, Olaitan, Rocheteau et Boutouba côté Niortais. Allez, on continue avec Le Havre contre Paris FC, Mbemba, Kitala, Josué Casimir, Keita, Victor Lecal, Grand Zir, Opéry, Kongolo, Sanganté, El Adjam. Et Arthur Desmas côté Havre. Ouais, côté Havre, c'est ça. Après, côté Paris FC, Hamel, Lopez, Sanogo, Mandouki, Fieri, Anine, Lefort, Bernouer, Coré, Macon et Demarconeil. Mais t'avais pas une chaîne Watex du coup? C'est ça ta chaîne maintenant? Alors, donc, en fait, voilà, j'ai ma deuxième chaîne avec Waltex Food, du coup. Et ouais, pour l'instant, voilà, je commence ici et je reprendrai un peu plus tard. Vous recrutez qui? On recrute surtout des graphistes pour faire nos miniatures, tout ça. On recrute aussi des commentateurs et ouais, plein d'autres postes. Côté Nîmois, on fera plaisir à Benjidou Mohamed, Tchoukounté, Saïd Amada, Pagis, Thomasen, Nguessan, Lopi, Burner, Djiga, Durand, Labonne et Maraval. Côté Grenoblois, on est avec Maubleu, Paquiez, Chapété, Monfray, Gaspard, Phaéton, Béné, Bambock, Touré, San, Yang et Tell. Entre Pau et Bordeaux, on commence avec Yanis Begraoui qui est en prêt à Pau, pardon, comme Quentin Boisard aussi qui est sur la composition, avec Dalmédia, Besnard, Sylvestre, Saïvette, Abzi, Ruiz, Kouassi, Kofi, Indiad. Et côté Bordeaux, on a David Hachidi, Badji, Bakwa, Sissoko, Ignatenko, Frangirio, Nsimba, Barbet, Gregersen, Bokele et Gaëtan Poussin. Côté Bordeaux. Ça commence à bugger, yes. Ok, j'ai eu un petit bug, excusez-moi. Côté Guingamp aussi, on a Courté, Livolan, Barthélémy, Civis, Diarra, Chimbé, Kemper, Roux, Gomis, Mbesso, Basilio. Mbesso qui a marqué aussi dans le dernier match avec Guingamp. À la 21e journée, pendant ce petit pex aussi. Côté Rodez. Salut, je suis ton mur, femme. Viva foot. Salut, frérot. Allez, côté Rodez, on a Soumano, Adeline, Abdallah, Rajo, Henry, non, attends, c'est quoi? Oui, Danger, Depré, Senaya, Rémi Boisier, Abdenour, Boma et Sébastien Sibo au goal. Après, du côté Sochaux, on a Sissoko, Doumbia, Gaëtan Wisbeck, Dossou, Alvero, Indian, Endur, Agouzoul, Meda, Henry et Maxence Prévost. Allez, voilà, le dernier match. Ah, de ce siècle qui est tout à la fin. Valenciennes, le Stade Lavallois. On commence avec la position de Valenciennes. Innocenti, Amash, Girbic, Boutatou, Kaba, Dilberto, pardon, Piccolo, Mangana, Berthomier, Lingué et Bachic. Côté Valenciennes. Et côté Lavallois, Ogol, on a Sauvage, Duterte, Gonsalves, Tavares, Baudry, Nchobi. Tapoko, Roy, Sana, Samsana, Durban et Silla. Donc voilà pour les compositions, c'était très très long pour le coup. Oh, voilà, tu me manques. Il reviendra, t'inquiète pas, Lucas, il reviendra très bientôt. Mais bon, cette fois-ci, c'est moi. Voilà. Allez, tous les matchs commencent dans moins de 1 minute. On va aller suivre quand même pas mal le match entre le Havre et le Paris FC. Une belle affiche. Voilà, là c'est Foot Live Show qui parle dans le
les commentaires. Allez, ça vient tout commencer entre le Paris FC et le Havre. Dans quelques instants, les frérots. Et on va prendre des compositions. Et c'est parti. C'est parti entre le Havre et le Paris FC. Coup d'envoi au stade Océane. Coup d'envoi donné par les joueurs du Paris FC. Bernauer. Pour aller chercher, c'est la récupération havraise. Avec qui tord le cal, qui garde le ballon. Il avait passé sur le côté pour Sanogo. Ça revient avec Desmas. Desmas à la jam. Il est partout. Tous les matchs ont commencé partout sur les 8 terrains de cette 22e journée. Mathieu qui nous dit go Paris. Paris FC contre le Havre. Allons du côté Pau FC Bordeaux. Alors on est du côté de Pau avec peut-être Yanis Bagraoui qui va tenter de s'avancer, mais c'est repris par c'est repris par les Bordelais avec Grigarsen. Et Poussin qui remet ce ballon. Grigarsen avec Bokele qui va y aller chez Franck Giriot. Allez, on va à Valenciennes. Pour l'instant, voilà, on va faire pas mal de matchs entre Valenciennes et Laval. On va aller un peu voir comment ça se passe à Valenciennes. Pour l'instant, ouais, c'est plutôt Valenciennes qui a le ballon. Allez, touche pour les Lavallois. Avec Enchobi. Ça revient encore sur Enchobi. Et ouais, une touche pour les coups des. Pour Valenciennes. Touche pour Valenciennes. À deuxième minute. Salut Mohamed. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ouais, des erreurs techniques un peu. Côté Valenciennes. Du coup, encore une touche pour le stade Lavallois avec Silla qui va effectuer la touche. Avec Sana. Roy. C'est récupéré par Valenciennes. Ça peut faire une très grosse action. Il va avoir une faute. Non, pas de faute. Encore avec ballon. Avec Berthomier. Des Valenciennes, c'est chaud. Le centre, ça a été. C'était stoppé. Le centre de Lingue qui n'est pas passé. Et ça sera un bon corner côté Valenciennes. Attention! Attention! Et oh là là! Oh, quelle action! Quelle action côté Valenciennes! Il n'y avait plus personne dans les buts! Oh là là, quelle action! C'était n'importe quoi! Très beau sauvetage! Ouais, c'était super chaud là! On a failli avoir l'ouverture du score! Mais quel sauvetage de Gonçalves! Ça sera un recorner pour Valenciennes! On a failli avoir le premier but dans ce multiplex! Allez, c'est encore corps corner. La quatrième minute pour Valenciennes. Non, tord le tir. L'arrêt de Sauvage. Pour le sponsor Waltax. Ah oui, le sponsor. Alors, faut que je le retrouve. Attendez, je vais refaire un truc. Hop, attendez, hop.
Donc en instant les gars, on va parler un peu du sponsor de la chaîne. On en partenariat avec la boutique du maillot. Donc c'est une boutique qui fait des maillots de foot, des maillots de basket à très bas prix. Donc c'est marqué 75 euros sur notre affiche, mais c'est 45 euros. Donc c'est vraiment une qualité exceptionnelle, vraiment, et à des prix assez bas. Et du coup c'est vraiment de très bons maillots. Donc vous avez beaucoup de maillots, comme par exemple il y a les Lakers, il y a le PSG, il y a beaucoup de clubs. Donc c'est sur Instagram, la boutique du maillot, et ils ont pas encore de site pour acheter pour les acheter. Ça sera dans leur DM Instagram, et vous avez moins 10% de réduction avec le code FOOTLIVE. Si voilà, 45 millions d'euros les amis, je me suis trompé, donc voilà, c'est FOOTLIVE SHOW qui corrige. Donc donc voilà, très bon maillot. On va en reparler voilà, donc un peu plus dans ce live prochainement, on va dire. On va en parler prochainement dans ce live. Allez, donc là on est côté on est à Rouen contre l'en avant Guingamp. On a la 6ème minute, toujours pas de but dans ce multiplex pour l'instant, et ça sera un dégagement du côté Rouqueville. Dégagement de Lemaître. Ça revient sur Bangré. Alors c'est un corps récupéré par Guingamp. Ça allait chercher sur le côté, mais ça sort. Non, ça sort pas. Si c'est sorti, c'est sorti. Ce sera une touche pour Pendant. Allez, on va du côté de Nîmes pour Benjedou Mohamed. Premier match de la saison au stade des Antonins. Leur premier match, donc voilà, ils ont monogué leur stade il y a pas très longtemps. Là, c'est leur nouveau stade et ils jouent pour la première fois sur le stade des Antonins. Allez, pour l'instant, c'est les Grenoblois qui ont la balle, mais ça sort en touche. Allez, Nîmes, objectif 3ème victoire. Et ouais, ils sont sur. Ouais, ils sont pas mal hein, cette année. Ils sont pas mal pour l'instant, 2023, les Nîmois. Et touche sur Saïd Amada. Et j'ai pas vu la question de Viva Foot. Comment? A tout, je vous laisse avec ça, les Foot Live Show, à tout à l'heure. Allez, ça revient sur mots bleus. Pour l'instant, quand même, ils sont pas mal dans la pression, les joueurs nîmois. Mais bon, pour l'instant, on va aller plutôt du côté dijonnais. Dijon contre Niort, un peu le duel pour le maintien, pour le coup. Là, c'est assez compliqué cette année pour les deux équipes. Et bah, on va voir qui va gagner. Donc c'est une remontée côté Niort. Très grosse défense là de la défense dijonnaise avec Touré. Très bonne défense. Allez, Alagbe qui va faire repasser le ballon sur le côté avec Ndong. Ça revient sur Koulibaly. Il fait très froid ce soir, à noter. Anime, ouais. Anime a une très grosse action avec Chukwunte qui tire juste à côté de la. Juste à côté de la cage. Pour l'instant. C'est chaud pour les Grenoblois pour l'instant. Allez, c'est sur le côté, ça peut faire une bonne action pour les Niortais. Pour les Niortais là, avec Zemzini. Ça va passer sur le côté avec Boutoba. Non, la bonne interception des Dijonais pour récupérer ce ballon.
Il y a une faute, ouais, côté Dijonais, ouais, je crois, ouais. Allez. Et Dijon qui va refaire circuler ce ballon avec Touré. Touré, toujours. Allez, allez. On va du côté de Caen, Bastia, on n'était pas y allé. Caen, Bastia, 10ème minute. Bon, tout, pour l'instant, les gars, toujours rien. Ce multiplex, toujours pas de but. Mais bon, ça va venir, je pense. Et c'est N-Team qui va faire la touche. Je reviens sur les canets. Penalty à Valenciennes. Attention, très, ouais, très très gros tacle hein, dans la Valois sur. Attends, j'ai pas vu qui c'était le joueur. Excusez-moi. Ah non, peut-être coup franc, mais Tapoko. C'est sur Anne. Ouais, là, je pense que c'est un penalty pour Valenciennes. Ça va être chaud. Allez, on va voir ça de suite. Gerbic qui a peut-être le maître, Gerbic, face à Sauvage, il s'est lancé, c'est bon. Et c'est bon, le but de Gerbic, pour le premier but dans ce multiplex, c'est Valenciennes qui le met contre Laval, et Saint-Saëns, but à Rodez en plus, but à Rodez, oh là 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 là, on va aller voir ça de suite, ça s'enchaîne, but à Rodez, mais c'est côté Socha, Lien. Et c'est Sissoko, magnifique but. Ah non, c'est Moussa Doumbia qui met ce but. Pour l'instant, on a eu deux buts en même temps, quasiment. Oh là là. Magnifique service de Sissoko. La passe en retrait, magnifique. Et bah, il a qu'à cadrer. Et c'est parfait. Hein. Et voilà, ça nous fait. Et encore un but! Bon, c'est pas possible! Arrête, c'est pas possible! C'est pas possible, attendez, il y a un but à Nîmes! But à Nîmes! Encore un but, c'est pas possible, ça s'enchaîne de fou là! Et c'est but pour les Grenoblois, malheureusement! Dans l'extérieur, oh le but! Le but de Feuilleton! De Feuilleton! Aïe aïe aïe, Momo, aïe aïe aïe, but pour les Grenoblois, ça nous fait pour l'instant 3 buts, on a eu 3 buts en avance, pas dire but à l'avance, tant que votre foot n'a pas dit but à l'avance, c'est ça Momo, ouais voilà, je voulais voir bien l'action avant de mettre l'anime de but. Donc voilà, on a eu 3 buts pour l'instant de ce multiplex, plus de buts, carrément le Rital frérot. Là, on a eu 3 buts en 2 minutes, mais c'est fou vraiment. Allez, donc c'est Sochaux qui mène à Rodez 1-0, et Grenoble qui mène à Nîmes 1-0, et Valenciennes qui mène Laval 1-0. On a eu vraiment 3 buts en 5 minutes, vraiment. Allez, direction Le Havre et Paris FC. Keshta qui a mis une putain de frappe. Une énorme frappe là. Vers les buts de Demarconey. Mais ça passe juste à côté. Il était pas loin d'inscrire son deuxième but de la saison pour Yacine Keshta. Allez, voilà, on est revenu du côté Havre-Paris FC. Là, c'est les Parisiens qui ont le ballon avec Corée. Merci à Wigo to Ligue 1. C'est absolument rien sur le football français. Bastia in Ligue 1, it's very difficult. Hein. Pour le coup, Bastia.
C'est très compliqué pour le coup, hein. C'est vrai que bon, on sait pas. Écoute, s'il faut, ils ont fait une putain de partie de deuxième partie de saison, hein. Mais bon. Sanogo. Attention, il y a vrai qui récupère le ballon. Allez, Casimir qui va jouer ce corner, enfin corner. Coup franc, pardon. Le Havre monopolise le ballon. On va aller voir côté Caen. Caen, Bastia. Là, en plus on y était. Je suis brésilien, il y a deux buts dans le match de Guingamp. Pas du tout. SVP Dijon perdait pas. Ah bah oui, Dijon, ouais, Dijon ils sont pas loin de Nîmes. Bah oui. Dijon ne mène pas de deux buts. Rixiz. Tavares, la surface de réparation, c'est récupéré par les Canets. Attention! Contre Canet! Tavares, oh là là! Très grosse action là pour les Bastiers! Il y a eu une très très grosse. Il y a une parade folle côté grenoblois. Nîmes a failli égaliser là pour le coup. Donc il y a un corner, corner à Nîmes. Allez, on est toujours à Caen. Nîmes, on va au stade Antonin. On va aller voir un peu ce qui se passe. On va aller voir. N'hésitez pas à me faire abonner, les frérots, si ça vous intéresse. Ici, on commente le sport, le foot, le rugby, le tennis, le handball. Pour l'instant, on commente le foot, mais les autres sports vont bientôt arriver. Donc, donc voilà. Donc, le corner, il n'y a pas eu de très grosse action. Allez, Mobleu qui va. Qui va dégager ce ballon. Ça revient avec Bambok. Allez, but! Il y a un but à Valenciennes. But à Valenciennes, on va voir l'action. Ah, Linguet, le centre de Linguet, magnifique. Oh. Attention, c'était quoi cette action là? Et but, hein? Ouais, voilà, but. But. Deuxième but, le but du break. On fait envers de Valenciennes. Je ne sais pas qui c'est qui l'a mis. Je sais pas qui l'a mis, mais voilà, 2-0. Oh là là, on a un multiplex pour le 5 qui est fou, vraiment. Moins de 15 minutes, on a. Waouh, on a 4 buts pour l'instant. Pas bon pour Nîmes. Non, il n'y a pas d'hors-jeu. Ah, j'ai pas vu qui avait marqué, mais voilà, 4ème but. 4ème but dans ce multiplex, donc 2-0 pour Valenciennes. Ils sont nuls Laval, mais pour l'instant un peu malheureusement. Pour l'instant ils sont pas très très bons. But pour Valenciennes. Qui mène en moins de 15 minutes. Laval 2-0. Allez, on revient à Pau. Pau entre Bordeaux. Pau Bordeaux. En 20 minutes, 4 buts, c'est vraiment pas mal. On se demande vraiment ce qui va se passer après. Mais il y a un bon coup franc. Avec Quentin Bogard, Boisgard, Bogard, en pré-apo, mais qui est à Lorient. Ce coup franc frappé par Abzi. L'entrée de la surface de réparation. Mais ça a été dégagé par des Bordelais. Et ouais, les Bordelais qui dégagent. Sur. Sur Ndiaye. Ça revient avec Abzi. Saivet. 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 Pas trop comment on dit. Elle est encore ça sur le côté avec Boigard. Boigard, il peut tenter quelque chose. Il va chercher des solutions. Boigard toujours. Boigard qui tente le tir. Oh l'arrêt! La parade de Gaëtan Poussin magnifique. Quel tir de Poussin!
le Pichoun, Boigard, l'ancien du TFC. Pichoun, magnifique parade hein, de Poussin. Là, c'est ouais, très grosse parade. Il y a très bien sorti ce ballon. Ça sera un corner pour le Pau FC. Avec Boigard. Peut-être la tête de la défense. Ça a été défendu bien. La tête bien défendue. Je vais parler. Pour Pau. Boigard de nouveau à. Ok, attention. Prise de la tête. Ça a été dégagé par des Bordelais. Julien, y a-t-il de but dans le match de Guingamp? Alors, je ne parle pas portugais. Attends, je vais mettre no dans le chat. No. Je sais pas si il traduit. Allez, Pau qui continue. Qui continue d'avancer. Le foot, c'est le week-end. Exactement, Clément Oslo. Mais bon. Il y en a le vendredi, c'est cool. Pour l'instant, Pau, ils sont dans l'attaque. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien ce qu'ils font. Pour l'instant. But. Et un but. But entre Dijon et Niort. Et c'est un but pour les Niortais. On va voir l'action directe. Ouais, une erreur de relance. La frappe. Quoi? Quoi? Quel but? Quel but de fou? Oh, oh, je suis choqué. Quel but de fou, vraiment. À combien de... Oh là là, je suis choqué de fou. Je pense 50 mètres. 50-60 mètres, je pense sérieusement. Magnifique but des Niortais. Waouh. Wow. Magnifique. Magnifique but, vraiment. Il est incroyable. Il est incroyable ce but. Je suis en avance sur toi, MDR. Oui. Et parce qu'il y a un peu de décalage. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a un peu. Donc c'est normal. 59, c'est incroyable ce but, vraiment. Un but de fou furieux, vraiment. Je pense c'est Ishola Junior qui met ce but. Absolument exceptionnel. Ça nous fait 5 buts. Encore un but. Encore un but. Oh là là, mais... Direction de Normandie. Entre Rouen et Guingamp. Mamadi Bangré. Bangré. Oh, quel but de Bangré. Quel but de Mamadi Bangré. Mamadi Bangré. Le joueur qui est prêté à QVI, mais qui est toulousain. Quel but. Quel but face à Guingamp. Ça nous fait 6 buts pour l'instant, ce multiplex. Julien Forestier, salut. Les gars, vous avez un lien? Alors, non. Moi, j'en ai pas du tout. Prime vidéo. La Ligue 2, c'est costaud quand même. Ouais, c'est vrai que c'est costaud. Hein. Après, quand il y a 8 matchs, c'est vrai que c'est chaud. Mais quand même, ouais, il y a vraiment de... Ouais, le crochet de Mamadi Bangré, là, qui passe. Magnifique. Le grand pont, il enroule les pieds gauche. Magnifique. Magnifique, il a vraiment géré pour le coup cette frappe. Magnifique. Il a vraiment géré pour le coup. En 20 minutes, 6 buts. C'est exceptionnel. Donc voilà, le Valenciennes qui mène 2-0 face à Laval. Grenoble qui mène 1-0 face à Nîmes. Et Sochaux qui mène 1-0. Et Niort qui mène 1-0 face à Dijon. Et pour l'instant, voilà, pas de but entre Caen, Bastia, Pau, Bordeaux, Havre, Paris, et c'est tout. Et Guingamp, Rodez. Pau contre Bordeaux, il y a quand même de grosses actions, vraiment, dans ce match. Entre Pau et Bordeaux, c'est vraiment pas mal.
entre Pau et Bordeaux. Ça c'est chaud. Si Bordeaux quand même. Enfin Pau pardon a quand même la possession en vrai, ils sont bons. Allez Ndiaye qui dégage, ça a été touché par Begraoui. Et ça revient sur Gaëtan Poussin. Il relance Gaëtan Poussin pour ses coéquipiers avec Gregersen. Barbé. Gregersen encore. Il repasse derrière. Il remet pour Poussin. Bokele. C'est bien d'être en vacances. Ouais. Mais moi je suis pas. Moi je suis même pas, écoute. Allez, Pau qui reprenne le ballon avec Kouassi. Dégagement d'Ndiaye. Et ça se sort en touche pour Pau. Pour le Pau FC. Ouais, c'est. Ouais, touche pour Pau. Et Abzi qui va. Qui a effectué la touche, pardon. On n'a pas encore de but. Bon, on va pas en avoir chaque minute, mais bon. On a eu une pluie de buts là, vraiment. Allez, on va à Dijon. Dijon contre New York. On va voir un peu ce qui se passe. New York mène 1-0. New York mène 1-0. Pour l'instant. Il y a Dijonais qui met ce ballon. En touche, non même pas, c'est récupéré par Ignorté. Et ça sort. Ce sera. Ok, ce sera un dégagement pour Michel, le gardien Ignorté. Dégage, ça revient sur Boutouba. Il s'est encore récupéré par les Dijonais. Ouais. Et ça sort. Et touche. Touche pour Ignorté. Avec Olaitan. Olaitan, ouais, qui n'arrive pas à conserver ce ballon, c'est récupéré par les Dijonais. Ils vont repasser très vite avec Granzir. Granzir pour Casimir. Non, pardon. Pardon, c'est pas du tout là. Voilà, c'est là. C'était Nassi. Bon, je suis trompé. Ah, il va avoir un coup franc. Coup franc pour les Dijonais. Bon, après ce retour un peu en retard de. Du buteur Olaitan. Rien qui nous dit allez Bordeaux. Troupeau et Bordeaux, on y reviendra après. Pour l'instant il y a un bon coup franc là pour les Dijonais. Avec Caboret. Non, ça récupère encore avec JCP. Non, ça sort en touche. Dijon qui doit pas du tout perdre là pour l'instant, parce que là, s'ils perdent, ils sont quand même pas mal, comment dire, dans la merde. Ouais, voilà. Allez, excellent coup franc pour les Girondins de Bordeaux. Attention, la surface. Et Ndiaye qui capte ce ballon magnifiquement et qui va relancer ce ballon très très rapidement pour ses joueurs. Allez, Bordelais qui reprennent avec Gregersen.
Mais pas le sponsor de la chaîne, ouais. On va refaire un petit truc. Ouais frérot, je vais vous parler un peu de la boutique du maillot. Donc c'est le partenariat de la chaîne. Donc alors tout se passe sur Instagram. Ils vendent donc c'est une boutique qui vend voilà des maillots de foot, de même basket à très bas prix, à 45€, donc c'est marqué 75, mais c'est 45€ le prix. Et donc vous avez moins 10% sur avec le code FOOTLIVE. Et voilà, une qualité parfaite. Donc vous avez plein de maillots, vous avez par exemple Paris, PSG. Le PSG, t'as Toulouse, t'as le Real, t'as Barça, donc plein de gros maillots pour vraiment des prix très abordables. Et n'hésitez pas à les checker. Donc vous avez le lien qui est pas trop loin. Juste que vous remontez, vous avez le lien Instagram. Donc tout se passe en DM, ils ont pas encore de site. Et voilà. Allez, on revient, voilà, entre Havre et le Paris FC. Attention, peut-être une possibilité de frappe pour les Parisiens. Sur le prix par les Havrais. C'est carrément un des buts de l'année. Ouais, oui, non, vraiment, ouais. Je pense le plus beau but, déjà le but du mois, ça c'est sûr. Le but du mois, et je pense le plus beau but de la Ligue 2 cette année. Hein. Ouais, sûrement... C'était un énorme but, vraiment. Incroyable. Pour l'instant, le Havre et le Paris FC, toujours pas de but, mais le Havre qui domine quand même pas mal. Les Parisiens, ils sont quoi, 10e au classement, un truc comme ça. Ils sont pas très bons cette année. Enfin, pas très bons. C'est un peu compliqué. Au stade Océane, il y a une vraie ambiance quand même. Hein. 25 000... Il n'y a pas 25 000 places. Non, il n'y a pas là. Bon, il n'est pas rempli, mais 25 000 places quand même. Pour stade de Ligue 2, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, ouais. Allez, t'es Marconnet qui dégage. Allez, il y a un but. Il y a un but à Pau. Et c'est pour les Bordelais, je crois. Ouais, c'est pour les Bordelais. Ouais, David Achilli. Non, c'est pas David Achilli. On va voir qui c'est. Voilà, la reprise de la tête magnifique. La reprise de la tête magnifique. Magnifique. C'est Bokele qui met ce but. Tout premier but de la saison. Et c'est Bordeaux qui mène 1-0 face à Pau. Très beau but de la tête de Bokele. On est voilà à 7 buts dans ce multiplex qui est énorme pour l'instant. Enfin, ce qui est énorme. Ça va, ça commence bien, on va dire. Très belle reprise de la tête de Bokele. Bah, magnifique. Indiad pouvait pas faire grand chose malheureusement. Et Bastia Le Havre, réveillez-vous. Ouais, Bastia faut qu'il se réveille un peu, j'avoue aussi. Ils sont 5e, ils sont plutôt bons cette année. Et Le Havre aussi, faut vraiment qu'il se réveille parce qu'ils sont très très bons cette année. Mais quand même. Et en parlant de Bastia, on va aller à Caen. Caen, Bastia. Et Bastia qui est en pleine forme là. Pour l'instant, il y a de. Il y a un beau coup franc pour les Bastiais, ouais. Faut sur El Phare est là. Ouais, faut sur El Phare est là, ouais. Ce sera un bon coup franc. Non, mais c'est le plus beau but. Ouais, vraiment très très but. Très très beau but, vraiment. Hein. Je pense, ouais, l'un des meilleurs de cette année. Hein. Là, c'est. C'était quelque chose quand même. Hein. Donc, à la mi-temps, on parlera un peu des programmes aussi
programme voilà qu'on pourra faire voilà sur la chaîne demain, dimanche, tout ça. Non, parce que j'ai mis 2-1 pour New York, je suis à 4 points pour l'instant, vu que Kevin gagne contre Guingamp. Ah, c'est cool ça. 2-1 pour New York, mais pour l'instant, New York qui mène face à Dijon. Avec un but magnifique. Maxence Prévost qui dégage. Donc voilà, on Sochaux qui mène 1-0 contre Rodez. Voilà, on revient dans l'Aveyron. Boisier. Boisier qui avance avec le ballon, mais ouais. Il passe pas. Allez, on a moins de 10 minutes. 10 minutes de la mi-temps pour l'instant. 7 buts dans ce multiplex. C'est plutôt pas mal. On espère avoir beaucoup plus de buts en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on a eu 3 buts en 2 minutes. En 5, Bordeaux qui gagne. Ah oui, Bordeaux, bah oui. Il y a eu une très grosse occasion là côté Avray. Mais ouais, c'est très mal joué avec un tir qui passe bien en haut du cadre. Allez, on est toujours en Rodez. Attention, la remise de la tête peut-être. Allez, le Boisier, ça a été touché. Il y a une faute du capitaine Ruthénois. Ouais, faute. C'est la mi-temps, non, très bientôt la mi-temps, là, dans moins de 10 minutes, quasiment. Bientôt la mi-temps, ouais. Ouais, Prévost qui va dégager. Maxence Prévost qui va s'apprêter à dégager. Allez, on revient à Queville. À Rouen, pardon. Queville, c'est pas du tout une ville. Ouais, j'avoue. Le Havre qui est vraiment emmerdé par Paris FC. Alors Paris qui sont 10e. Hein. Ah, écoutez, côté Rouen, il a failli avoir un deuxième but avec pareil Mamadi Bangré, mais bon. Ça c'est mal, mal exécuté. Et Basilio côté Guingampé qui va remplacer le ballon pour Nsimba. Roux, pardon. Gomis. Mbesso. Gomis. Roux pour Sivis. Sivis, il va la faire passer sur le côté avec Diarra. Diarra, il continue d'avancer. C'est récupéré par le QRM. Il continue d'avancer, Jung. Jung, allez, encore avec Mamadi Bangré sur le côté. Mamadi Bangré, il peut faire quelque chose. Il peut centrer, peut-être. Il va provoquer. Non, ça a été bien contré par la défense guingampaise. Allez, on va aller du côté de Valenciennes. Où il y a eu deux buts vraiment en quelques minutes. Allez, là c'est côté Laval. Pour le coup. Tiens le ballon. Il y a 7 buts. On est bien, on espère de passer les 10 buts. Ouais, je pense que les 10 buts vont passer, ouais. Allez, Lavalois qui continue d'avoir le ballon, attention, très grosse occasion de tir. Ça passe juste à côté du poteau. Ouais, Roy qui avait essayé de tirer en première intention, mais ça passe vraiment à côté. Dommage. C'est Nimar qui ont prono exact. Ben, on espère que Nîmes va marquer. Hein. C'est possible, en vrai, ils font de bons trucs depuis tout à l'heure, en vrai. Ils ont fait de bons trucs. Et ils peuvent marquer, ouais. Ils peuvent marquer, ils peuvent. Allez.
Dégagement. J'espère le final du 11. Eh oui. Bien sûr. C'est sorti par... par Boutoutou. Boutaou. Non, comment ça se dit? Boutoutaou. Ah ouais. Allez, les Lavallois. Qui récupère avec Baudry. Il y a quand même une défense à 5 côté Laval. Hein. Et quand même, ils arrivent à mettre deux buts, hein, les Lavallois. Les Valenciennois, pardon. Piccolo qui passe, Piccolo. Ouais, ça passe, Hamash, il va passer, il va remettre sur Berthomier. Sur le côté avec Lingue. On est toujours 16ème grâce à la victoire de New York pour l'instant. Allez. Allez Nîmes. Le maintien. Allez, on revient Dijon New York. Rodez doit remonter de 2 buts pour que ça me fasse 2 points en plus. En plus toujours 5 points. Ouais, Rodez qui remet 2 buts là, oula. Ouh là là. Ouais. Compliqué je pense hein. C'est possible hein. Mais là devant c'est Sochaux. Ils sont 3ème, 4ème, truc comme ça. Ou 2ème. Allez, y'a un but. Y'a un but à Rodez. Et c'est pour. Et c'est pour les Ruthénois. Magnifique. Non j'ai même pas vu. Vraiment j'ai dit n'importe quoi. Ouais c'est Senaya. Magnifique. Oh le but. Oh le but magnifique. C'est Clément Després qui le met. Pas de hors-jeu. Boisier, le centre magnifique. Et la tête de Després. Clément Després, voilà, but. Pour l'instant. En plus, on a parlé de Rodez. 1-1 entre Rodez et Sochaux. Pour égaliser, ça nous fait 8 buts. Dans ce multiplex, on arrive beaucoup plus à 8. Ah, but du coup. Ah non, à 10. C'est n'importe quoi. À 10 buts, on y arrive bientôt. C'est possible maintenant le Rital là qui remet un deuxième but. C'est possible, c'est possible. Cinquième but de la saison pour Clément Després. Allez, un but de Rodez. Allez, ils reviennent. Entre Pau et Bordeaux, il y a. Bukele le buteur, il est au sol. Il y a eu un choc face à Bzi. Côté Pau. Ouais, Bordeaux là. Est-ce qu'ils vont perdre leur défenseur Bukele? On va voir ça. Allez, Herve, Bastia. Cassez-moi que c'est cage. Ouais, le tacle un peu dangereux là pour le Bzi. Ouais. Il touche bien la cheville. Il fait pas du tout exprès, mais bon. Allez, il reste quasiment 2 minutes les frérots dans ce multiplex. Pour cette première mi-temps. On a 8. Il s'est relevé, mais il a mal. Rouge ou pas? Rouge c'est compliqué. Enfin rouge c'est compliqué. Jaune. Je pense un bon jaune. Hein. Un rouge ça serait pas incroyable je pense. Mais je pense qu'il va avoir un jaune. Hein. Il va avoir sûrement un jaune pour Bzi parce que c'est assez dangereux son geste. Tu verras Grenoble va craquer. Est-ce que Grenoble va craquer? Après quand même Nîmes ils ont fait un... Un bon début en vrai, ils ont fait quelques bonnes actions, c'est vrai qu'on n'est pas. Ça fait longtemps qu'on n'est pas y allé, on y ira bientôt. Il reviendra bientôt. Allez, bah quoi, face à Bzi. Bah quoi, ça revient sur Sissoko. Attention le centre.
C'est dégagé, ça revient. Barbé, Grigersen. Allez, on revient entre le Havre et le Paris FC. Pour l'instant, c'est... c'est le temps additionnel qui a commencé. Voilà, une minute. Une minute de temps additionnel. Bastia voudra la monter en Ligue 1. En Ligue. Allez, Bastia, allez, le Havre. Maniez-vous. En vrai, moi, j'aimerais bien un retour de Bastia parce que, quand même, il y a quelques années... National 3, quoi. Hein. Ils sont bien remontés, mais... Ils ont fait un peu une Strasbourg, en vrai. Mais en vrai, moi, j'aimerais bien parce que, quand même, l'ascension est folle. Hein. Puis, ils sont 5e cette année, c'est vraiment possible. Hein. Je serais content s'il monte. Ça serait cool. Allez, une minute additionnelle entre le Havre et Paris. Il reste même pas 20 secondes. Hein. Ouais, toujours pas de but. Peut-être une dernière situation. Peut-être avec le cal. Grandir. Le cal, grandir encore. Il essaye de mettre ce ballon. Mais bon. Et voilà, c'est bon. Au stade Océane, c'est terminé. Entre le Havre et Paris FC. Le Havre, pour l'instant, sont tenus. Tenus par Paris, quand même. Hein. Allez, 2 minutes de temps additionnel à Rouen. Il reste 40 secondes dans ce. Dans cette première mi-temps à Rouen. QRM contre Guingamp. Bastia du bas de l'échelon jusqu'à la course à la montée, ouais. Ça serait bien en vrai. La très grosse action, ouais. Ouais, côté... Le QRM, là, c'était bon, mais... Bon. Courté. Flecho. Ça suffit pas, toujours 1-0 pour Kevi. Face à Guingamp, il mène grâce à Mamadi Bangré, le Toulousain après au QRM. Pau et Bordeaux, 3 minutes additionnelles, il y a eu quand même pas mal de Bordelais qui sont tombés. Alors, j'insinue rien, vraiment. Mais ouais, ils sont tombés. Et du coup, voilà. Du temps additionnel en plus. Allez, sur le côté, avec Quentin Boigard. Boigard. Toujours, attention le centre, c'est dégagé par Nsimba, ça revient sur... ça revient... David Achili qui accélère. Allez, on a dépassé les 3 minutes. Et c'est bon. C'est terminé pour cette première mi-temps. Les Bordelais maintenant 0 face à Okele. Grâce à Okele, pardon. Donc c'est terminé. Jeu de la mi-temps. Alors, ah oui. Ah, moi j'ai rien préparé pour le jeu de la mi-temps, perso. Hein. Ah, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Attendez. Non, j'ai pas prévu le jeu de la mi-temps. J'avais pas prévu, je suis désolé frérot. Pour le prochain live, j'en ferai. Je préparerai les questions à l'avance. Désolé frérot. Ça c'est pas assez 5 points. Après ouais, c'est vrai que... Désolé Lucas. Pour le prochain, promis, on aura. Hein. J'y penserai pour le prochain live. Hein. Au prochain live, j'y penserai le jeu de la mi-temps et on fera. Fera quelques questions, il y aura un classement et. Ouais, ça sera cool. Donc, entre Caen et Bastia, toujours 0-0. Entre Dijon et Niort, 1-0 pour Niort avec un but exceptionnel. Havre, le Havre contre Paris pour l'instant 0-0. Ouais, Paris tient, mais. Le Havre quand même qui domine assez. Ah oui, du coup, c'est qui a gagné, Mohamed, entre Pays d'Ax et... Ah, Pays d'Ax qualifié. Ok, ok. Havre-Paris, voilà, Nîmes-Grenoble qui mène 1-0. 1-0 face à Nîmes.
Pour l'instant, voilà, les Nîmois sont tenus en échec pour l'instant, mais ils vont y revenir. Entre Pau et Bordeaux qui mène à Pau 1-0. Ah ouais, d'un point en plus. Pays d'Ax Nîmes. Ah ouais, un point. Ah non, pas du tout. Bon, non, j'ai cru qu'il y avait un point, non, 4. Ok. J'ai pas eu du tout. Queville, Guingamp, pour l'instant c'est Rouen qui mène face à Guingamp. Et après voilà, Rodez, Sochaux, pour l'instant 1-1. Grâce à Clément Després qui égalise. Et Valenciennes qui mène 2-0 depuis quasiment la première minute. La première minute, depuis au moins la 10e minute. Laval, c'est des fraudes, j'ai juré. C'est vrai que Laval, bon, cette année. Après les promus, c'est vrai qu'ils peuvent pas gérer le fou. Mais Nîmes, je vous demande un but. Mais Nîmes, mais je vous le dis, Nîmes va revenir. Nîmes va revenir, j'en suis sûr. Nîmes, ils vont revenir. Je le sens. Je le sens, ils vont revenir. Voilà, Mohamed, tu crois, c'est bien. Il faut y croire. Parce que si on n'y croit pas, c'est pas... Pas fou. Allez, je pense qu'on va faire une petite pause, les frérots. On revient. Je reviens dans quelques instants. A tout à l'heure, les frérots. A toutes. Allez, on est de retour pour ce Multiplex League 2, les frérots. Qui dit mi-temps, on va parler un peu du sponsor de la chaîne. Donc c'est la boutique du maillot. Donc c'est une boutique qui vend des maillots et des shorts de foot et de basket. Maillot 100% qualité. Donc c'est vraiment des maillots exceptionnels, vraiment. On a de très bons maillots. Hop, attendez... Voilà, hop,
parfait. Donc voilà, c'est une boutique de foot, voilà, de basket, tout ça. Donc vous avez des maillots qui sont très peu chers, donc c'est pas 75€, c'est 45€. Et vous avez moins 10% de réduction sur tous les produits de leur merch avec le code FOOTLIVE. Et en fait, voilà, pour commander un maillot, il faut le faire par leur DM sur Instagram. Donc vous avez le lien, vous remontez un peu, voilà, le chat, et vous avez le lien de FOOTLIVE Show, de FLS Sport, pardon, le lien d'Instagram, et vous cliquez dessus, et vous avez toute la boutique. Donc il y a plein de maillots, il y a le PSG, il y a les Lakers, il y a Toulouse, voilà, pour les Toulousains, je sais pas s'il y en a, pour Toulouse... voilà, pour Barça, pour le Barça, le Real, tout ça, plein de bonnes équipes. Ah, salut Dodo, salut. Nancy a gagné 3-2. Ah, mais c'est cool ça. C'est vrai qu'il y avait le national aujourd'hui, ouais. Je sais pas contre qui ils ont gagné, mais c'est cool en vrai. Mais j'ai vu qu'il y avait le national aujourd'hui en plus. Je suis au stade du KRM. Salut Jenny. Mais pour l'instant, vous vous régalez, je pense. Vous gagnez 1-0, du coup, c'est cool. C'est cool, ça. Voilà, je voulais voir Nancy. Ah, contre Dunkerque, ok. J'avoue, Dunkerque, quand même, cette année, c'est pas... du championnat national. Est-ce qu'il est premier? Attends, mais j'ai même pas suivi. Ah, le Martigues. Oh, Martigues en Ligue 2, c'est bizarre en vrai. Martigues, Restart, Versailles. Pas mal. Mais pas mal, ouais. Okay. Allez, ça va bientôt reprendre, les frérots. Très bientôt reprendre là. Ouais, ça va bientôt reprendre. Donc voilà, Caen Bastia 0-0, Dijon Niort 1-0 pour les Niortais face à Dijon, Havre, Paris FC toujours 0-0, Nîmes, Grenoble, Grenoble mène 1-0 au stade des Antonins, Pau, Bordeaux mène 1-0 face à Pau, Quevilly Rouen 1-0 contre Guingamp, but de Mamadi Bangré. Avant je disais Bangré, c'est Mamadi. Je disais Bangaré avant. Mamadi Bangré face à Guingamp. Rodez Sochaux pour l'instant 1-1 après une égalisation de la tête vers la fin de la première mi-temps. Et après Valenciennes 2-0 contre Laval. Et Laval qui est dans la difficulté depuis. Attends, ils ont mis le deuxième but à la 10e, je crois. À la 10e, truc comme ça. Allez, et ça va bientôt reprendre. Ouais, c'est sur le point de reprendre. Ouais, toujours 0-0. On attend beaucoup plus du Havre quand même, parce que là, pour l'instant, c'est assez compliqué. Bon, quelques bugs de connexion, excusez-moi les frérots. Alors ça dure quelques secondes, vous inquiétez pas, c'est pas grave du tout. Voilà, ça va bientôt reprendre. Allez, les joueurs reviennent sur le terrain. Ça revient très bientôt. Allez, c'est bon, les joueurs sont sur le terrain, quasiment tous. Voilà, on est au stade des Antonins.
c'est reparti. Des Nîmois qui sont quand même en difficulté, malheureusement, avec ce but de Feyton à la 12e minute. Et voilà, ça reprend avec un coup d'envoi côté grenoblois. Côté GF 38. Nîmes Olympique qui va tenter de revenir. Salut The Future. Bonsoir. Bienvenue. Allez, le dégagement. Dégagement du gardien Grenoblois. C'est reparti entre Dijon et Niort. Donc voilà, c'est reparti à Nîmes et à Dijon. Le Rital. Allez, Nîmes met un but. Nîmes va remettre un but. Allez, on y croit. On y croit pour Nîmes. Ça serait bien. Ouais, du coup, voilà. Vous êtes chez vous, il n'y a pas d'arrangement. Il y a un gros tac, hein. Gros tac dans l'Niorté. Carton jaune, hein. Carton jaune pour Zemzeni. Côté Niorté. Tacle vraiment très agressif pour le coup. Carton jaune. Mérité. Mérité ce carton jaune. On doit prendre la revanche de la Coupe de France. Allez. Prenez la revanche de la Coupe de France. Il faut là, parce que là, Nîmes, compliqué cette saison. Ce serait bien, voilà, prendre quelques points. Franchement, je trouve que Nîmes joue pas si mal en plus. Mais oui, mais ouais, j'avoue que là, depuis 2023, il joue pas mal. Hein. C'est vrai qu'il y a, ouais, il y a des équipes qui prennent de bonnes résolutions, tu vois. Par exemple, voilà, je pense à Toulouse, mon club de cœur. Là, on a aucune défaite. On est quasiment, ouais, dans la meilleure attaque d'Europe. Quasiment, je crois. Hein. Dominer n'est pas gagné, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La Coupe de France contre Grenoble, on avait été nuls à chier, par contre. On doit faire tomber les buts, Grenoble. Ouais. Ouais. Alors on espère que on va avoir une animation de but pour les Nîmois, ça serait plutôt cool ça. J'aimerais beaucoup perso. Avec un campé. N'hésitez pas à vous abonner les frérots. Très important pour pour nous soutenir sur cette chaîne, on fait beaucoup de sport. On préfère Toulouse à Montpellier. Ah, merci. Merci, parce que c'est vrai que les Montpelliérains, bon, ils sont pas intéressants. Non, je rigole, les amis Montpelliérains. Mais bon, c'est vrai que des fois. Ouais, il y a carton jaune. Carton jaune pour Yvan Vincent. Premier carton jaune pour dans cette rencontre. Corner pour Bastia. Allez, ils reviennent les Bastiais. Attention. Ouh, au poteau, il y avait du monde, mais ça passe juste à côté la tête. Idem. Bastia qui ont fait de bons trucs. Qui ont fait de bons trucs pour l'instant. Entre Caen et Bastia. Allez, peut-être une bonne action avec
Avec Bastia, attention, il passe le centre. Non, dégagé par la défense canaise. Ça peut faire quelque chose. Allez, peut-être un centre. Bastia, ouais, peut-être ils vont mettre peut-être un but. Mais je pense qu'ils vont mettre un but peut-être. Hein. Allez, nom de Dieu. Allez les Bastilles, allez s'il vous plaît, mettez un but au moins. J'aimerais bien vous revoir les frérots. Allez, ça peut profiter, attention. Et ça sera 5m50. Grosse occasion nîmoise. Oh non. Tu comptais comment il a fait pour louper ça. Ouais, vraiment. Un centre magnifique. Et tu comptais. On sait pas comment il a fait, il ouvre son pied, il a le temps de bien cadrer son ballon. Maïchou Kunte, mais là, Nîmes, vraiment, Nîmes était à ça de marquer. À vraiment rien du tout de marquer, là. 8 buts qu'il a marqué. C'est pas compliqué de gagner quand, sérieux. Vous êtes en direct, voilà, avec moi, Waltex Foot. Je suis un des commentateurs de cette chaîne, pour ceux qui ne savaient pas. Allez, direction Valenciennes, qui sont tranquilles hein, depuis au moins la 20e minute. Ils mènent 2-0 plus à 20e minute, ils sont tranquilles. Aucun changement de la pause côté Valenciennes. C'est plus Nîmes, c'est Bim Bim. Pour le coup, là, c'est... Ouais. Il y a une faute sur Samsana. Ouais, il y a une faute sur Samsana, ouais. Go, 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 Croco. Allez, ni moi. On croit en eux. Là, mais ils vont marquer. C'est sûr. Là, ils reviennent, ils sont chauds. C'est possible. Et il y a un but. But à Caen. But à Caen, on va voir qui c'est, qui l'a mis. Attention, je vous le dis même pas, c'est très bien joué. Oh là là, ouais, c'est un but canet. Aïe, 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 c'est un but canet. C'est ça, Litros, la nouvelle recrue du stade Malherbe de Caen. Voilà, je remets l'anime. Malheureusement, Rital, voilà, c'est le but canet. Aïe, 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 aïe. Caen 1, Bastia 0. Très beau but quand même, hein, même si voilà. Les pauvres Bastia. Voilà. 9 buts dans ce multiplex. Oh merde, je suis deg. Non, merde. Malheureusement les frérots, là c'est Caen qui ouvre le score avec leur nouvelle recrue. Ça nous fait 1-0 à Caen, ouais, action, vraiment but pas fou par contre. Hein. Mais c'était très bien pensé. But à Nîmes. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. But pour les grenouilles au bois. But pour les grenouilles. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, but pour but pour les grenouilles au bois. Là, c'est...
Voilà, venez m'excuser les frérots, désolé, de retour. Donc vous avez manqué aucun but, vous inquiétez pas, il n'y a pas du tout eu de but. Zéro but partout, vous inquiétez pas les frérots. Du coup, voilà. Donc malheureusement, attendez, on va remettre 10. Oh, but à... But! But à... Voilà, bah écoutez, quand je reviens, c'est parfait. Un but. On a un but, où ça? Attendez, c'est que vie. Voilà, vous l'avez mis dans le chat. C'est que vie. 2-0 contre Guingamp. Ah, hors-jeu. Position d'hors-jeu, malheureusement. Ouais, c'était courté. Hors-jeu. Apparemment, ils disent qu'il n'est pas hors-jeu du tout. Hors-jeu ou pas hors-jeu, je ne sais pas du tout. Ils sont en train de regarder un peu. Y a pas de VAR, hein. Non. Non, il y a bien hors-jeu. Attends, non. Attendez. Le mec là-bas, il revient. Il est hors-jeu, lui. Il passe pas. Non. Une demi-heure de calcul pour faire... pour faire 5 points. C'est dommage. Parce que quand même, là, ouais, Nîmes qui est vraiment... qui est bloqué. Il va avoir 3 changements. 3 changements côté Guingampé, quand même, pour essayer de se sauver un peu contre Rouen. Ah, y a pas hors-jeu, c'est bon? Y a pas hors-jeu? Non, attendez, y a... Attendez. C'est toujours 16ème. Non, il y a bien hors-jeu. Il y a bien hors-jeu. Ça a loupé aucun but. Ne vous inquiétez pas. C'est le Havre et Bastia qui m'en fout. Mais oui, mais le Havre, j'avoue, là, ils abusent. C'est vrai qu'ils abusent un peu, là, le Havre. Pour le coup... Allez, on revient à Niort. Niort contre Dijon. Ouais, les Niortais qui peuvent attaquer là pour le coup. Sur le côté, il essaye de passer, il passe. Il passe Rocheteau sur Paul Joly. Ngom, encore sur le côté. Oleita, il passe, c'est très bien joué. Le tir. Oh, encore le tir. Oh, ça passe à côté. On voit pas ton visage. Et ta voix, elle a changé. Non, mais... Ah ouais... On est plusieurs sur la chaîne maintenant, hein. C'est pas moi, Food Life Show. Moi, je suis un collègue à lui. Là, on est trois sur la chaîne maintenant. Hein. On est trois sur la chaîne. On voit pas ton visage et ta voix, elle a changé. Et c'est vrai que... Là, ça a pas mal changé, quoi, hein.
Ok, donc c'est bon les frérots. Ok, donc désolé les frérots, ouais j'ai un très gros décalage, hein, des très gros décalages. Attendez, hop. Donc là j'ai ouais, 150 secondes de décalage, c'est énorme, je suis vraiment désolé les gars. Mais ouais, je suis désolé les frérots. Ouais, il y a un but, il est doublé, voilà, on revient sur les trucs. Doublé de Mamadi Bangré, il est trop fort, il est vraiment trop fort. Ouais, but... but de Rouen. Donc ouais, doublé de... Bravo les gars, ouais, c'est vrai qu'ils ont géré quand même. Hein. Et il y a un but. Et but à Bordeaux. Qui c'est qui marque. Et je... Attention. Ouais, ben là, oui, bien sûr. But pour les Bordelais. But pour les Bordelais. But pour Bordeaux, c'est... Je ne sais pas qui c'est. 2-0. Magnifique but. Alors, on va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 buts dans ce multiplex pour l'instant. Voilà. Tu veux là jusque pas moins de 16 et 18 pour la Ligue 2, je peux. Comment ça? Ah t'as 6 points, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah mais carrément, mais j'ai même pas, ça m'a même pas actualisé QRM. C'est fou, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Samsana, le centre, la tête. Ouais, non, ça passe pas. Zakaria Neji qui a tenté, mais ouais, non. C'est pas passé, hein, côté de la Valois, malheureusement. Toujours 2-0 pour le VAFC.
On est à la 72ème, les frérots, il reste quasiment 20 minutes. Voilà, désolé. Désolé, quand même, énormément de décalage. Là, c'est impossible, vraiment. C'est horrible. Non, désolé, les bugs de cause, c'est la vie. Pas du tout, c'est nul à chier. Tout, voilà, on va pouvoir parler dans la... pour la fin du live, malheureusement. Bah ça, c'est des grosses femmes qui travaillent le soir. Non, les pauvres, en vrai, quand même. Hein. Les pauvres, mais bon, ouais, c'est vrai que là... Allez, le contre. Avec Kaloulou contre les Ruthénois. Il peut faire quelque chose. Ouais, c'est très bien ce qu'ils font, les Souchaliens. Tony Mauricio, il a pris de l'extérieur, mais non, ça passe pas. Attention, le centre, la reprise de Sissoko. Oh, c'est dévié. C'est dévié, ça revient sur, sur Sébastien Cibois. Là, il se croit dans un film. Calmos, calmos. Allez, une entrée côté Nîmois. Thibaut Vargas qui rentre. La place de Saïd. Yes. Allez, bon, quand là c'est tranquille, hein. Bastia c'est chaud. Blanc contré par les Grenoblois. Il est qu'à feuilleton, attention. Le tir, ça passe à côté, c'est dommage. Côté Nîmois. Veuillez nous excuser. Je me suis fait avoir. Prenez ont rattrapé car il faut qu'il marque, j'ai que 5 points. Pour rattraper les points du coup là, pour le coup. Attention, une possibilité pour les Havrais, attention. Sur le côté Bernauer. Le gardien de Nureté qui est au sol. Côté New York. Julien Lopez, attention. Ouais. On revient à la faute. Voilà, Dijon, Maubleu est au sol. Il s'est blessé. Il a fait un arrêt de fou par contre. Une magnifique parade. Il s'est fait mal en fait, en faisant la parade, il s'est fait mal. Ah, le genou. Ah, le genou. Il s'est fait marcher dessus par ses coéquipiers. Allez, corner. Il reste 11 minutes. Il reste 10 minutes quasiment. Sous-marré, c'est bien tiré. Encore sous-marré, encore. Encore, c'est bien joué. Non. La défense de New York.
belle défense de Niort pour le coup, c'était très bien joué. Ah, ils vont arriver en ligne, ils vont se faire démonter par Auxerre 5-0. Non mais déjà, Auxerre, s'ils se maintiennent, c'est déjà bien. Parce que là, cette année... Ah... voilà quoi. On a 13, hein, excusez-moi. Penalty. Penalty pour Sochaux. Voilà, 67ème, c'est incroyable par contre là. Là c'est très très chaud. Allez, c'est Sébastien Cibois. Sissoko. Ibrahim Sissoko contre Cibois. Attention, but pour Sochaux. Et c'est bon, but pour Sochaux. Allez, Sochaux, bam, 2-1 face à Rodez avec un très bon penalty. Ça nous fait 2-1. buts dans ce multiplex, c'est plutôt pas mal. Avec, y a un but partout, un but dans chaque match, sauf à Au Havre. Bon, c'est bizarre, au stade Océane. Sochaux est désormais deuxième. Hein. Je suis dépité. Oh mon pauvre. Mon pauvre El Trital. Il nous reste 10 minutes. Hein. Il y a 10 minutes. Il reste 10 minutes dans ce match. Il reste encore du temps. Il reste du temps. Mais c'est très très compliqué pour le coup. Voilà, et Laval qui revient d'un but. Laval qui revient d'un but, c'est bien joué, ouais. Bah, c'est... ouais. Mais bon, c'est compliqué de revenir un peu, je pense. Je crois que c'est un... c'est Naïdi. Voilà, Zakaria Naïdi... qui met ce but du côté Laval. C'est sur le coup franc. Il marque du pied droit en fait. Non mais pas, c'était pas un coup franc. Ouais, en fait c'est... non, c'était bien joué, ouais. Attendez, je vais voir l'action quand même. Ouais, quand même. On est sur l'écart. Et oui. Et on vient juste d'avoir la notification, voilà. Voilà qui revient. 3-0 pour Caen. Aïe 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 aïe. C'est Alexandre Mendy. Mendy qui revient. Mendy qui revient. Aïe 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 aïe. But en Caen, ouais. On va voir un peu le but d'Alexandre Mendy quand même. Donc c'est sur coup franc. Coup franc et la tête. La tête magnifique. La tête magnifique. Qui a terminé au fond des filets, magnifique. Ça, c'était très très beau. Le doublé, hein. Le doublé d'Alexandre Mendy. Son 10ème but de la saison. C'est très bien joué.
Est-ce que ça va finir 0-0 entre Le Havre et Paris? Allez, Le Havre. Le Havre contre Paris. Le Havre qui attaque beaucoup, beaucoup. Ils attaquent vraiment énormément, là, les Havrais. Ils appuient sur l'accélérateur, là, les Havrais, mais ouais. Le Paris FC tiennent très, très bien. Envoyez Bastien National. Avec le Havre, compris avec Bernauer qui remet pour Marc Coney. Il reste 6 minutes de jeu, les frérots. 6 minutes, c'est rien du tout. Mais ça peut revenir. Vous jouez comme ça à l'OM, vous faites tuer jusqu'à ce que ça vous rende sourd. Bon, Gagan va perdre, j'ai trop le seum. Ouais. Gagan qui perd 2-0 face à QRM. Malheureusement. Mais bon. Écoute, QRM a été beaucoup meilleur. Beaucoup plus meilleur, pardon. Avec deux buts de Mamadi Bangré. Très bon joueur pour le coup, hein, en Ligue 2. Il fait des miracles. Dembo Silla qui cède sa passe à Ferraoui. Ferraoui qui rentre. Sur la main pour se faire trouver. On s'avesse, qui va réaliser le corner, attention, encore, et ça sort. Et ça sera 2 minutes, hein. Il reste 2 minutes entre Dijon et Niort. Est-ce que Dijon va le faire? Il s'accroche, hein. Il s'accroche. Pour le coup, c'est pas mal, hein. Mais bon, là, c'est sûrement la défaite.
Je pense que ça sera sûrement une victoire. Une victoire niortaise. Bah, on va rentrer dans le temps additionnel de 6 minutes. C'est énorme. 6 minutes en additionnel. On aura le temps de revenir voir. Vous êtes qu'une bonne limite, prenez un bateau. Prenez Bastia avec vous et cassez-vous en national. Il y a vraiment de la haine. Hein. Il y a vraiment de la haine là, pour le coup. Sur. Sur Bastia et. Et le Havre. Oh la peau qui joue. Et un but. But Bastia. Non, but à Caen. Mais but à Bastia quand même. But à Bastia quand même, voilà. Il fallait qu'il y ait un but pour Bastia quand même, malheureusement 3-1. C'est voilà, quand même ils ont mis un but, c'est bien. C'est bien mais ouais. Voilà, 16 buts. La récupération du Havre, attention. Et encore la récupération du Paris FC. Ils s'en sortent pas. Hein. Ils s'en sortent pas. La séance va être un nul. Hein. Un nul, attention. Non. Richardson qui a perdu ce ballon. Malencontreusement. Qui est toujours invaincu, hein. Mais bon, écoutez, on va voir. Attendez, c'est très très fort par contre. C'est très très fort. J'avais même pas vu. Hop. Bon, je vais parler un peu des lives pour essayer de faire de live du coup. Donc, ça sera pas moi demain. Ça sera pas moi dimanche. Donc, ça sera les autres. Alors Simon, il va aller se prendre un... Il va arrêter, ok. Il doit être quoi, couper partout. Ok. C'est fini, entre Grenoble et Nîmes. C'est dommage. C'est dommage pour les Nîmois, malheureusement, qui... Ils sont sur une défaite. En 2023, malheureusement. Elle est rentrée chez vous. Ok, donc me... De retour, désolé là, j'ai quelques bugs. Je suis désolé, mais pendant ZKR, ZFR, il va se calmer, ok. Je parle plus chez Marie, ça se dit pas une orthèse. Je quitte le live, je suis curé. Bon, c'est pas grave, Vital, t'inquiète. Allez, bon, c'est la fin de toute façon. Il y a un but. But à Valenciennes. À demain, bonne nuit. Moi, c'est pas moi demain. Voilà, but, putain. But Valenciennes. Pour les Valenciennes. Bah, c'est bien joué.
Voilà, bon là, c'est bon. Il scelle encore plus la victoire. 3-1. Hop. C'est terminé. C'est terminé quasiment partout. Il reste 30 secondes entre Dijon et Niort. C'est terminé à Nîmes. Il reste du temps additionnel partout. À Dijon, c'est bientôt terminé là pour le coup. À Dijon, ouais. 90 plus 6. C'est terminé. C'est terminé à Dijon. Voilà. Dijon perd à la maison. 1-0 face à Niort. Après un très gros but. Voilà, donc première victoire de l'entraîneur. Niort, c'est, j'oublie son nom. J'oublie son nom, c'est un nouveau en plus. Un nouveau entraîneur. Faut que je retrouve son nom. Non, c'est pas Royal Media, c'est pas possible. Il y a un nouveau. Ouais, il y a un nouveau, je crois. Le Havre Paris FC, il reste un dernier coup franc pour le Havre. Coup franc pour le Havre, allez. Il pousse les. C'est Quentin Cornet, hein. Qui va le faire. Attention. C'est très bien boxé par Vincent Desmarconnet. Pas terminé. C'est récupéré peut-être la contre-attaque. Coup de sifflet final, c'est bon. Nul. Nul entre le Havre et Paris FC, ils sont déçus. Hein. Les Havre, c'est logique. Vraiment, ils perdent comme, comme une équipe qui joue mieux de tableau. C'est assez dur. C'est vraiment dommage, ouais, pour eux, malheureusement. Les Grenoblois qui célèbrent la victoire au stade des Antonins, voilà le stade, voilà, stade de Nîmes. Pas de victoire pour le premier match au stade des Antonins, malheureusement. Coup franc pour Rodez, le coup franc de la dernière chance pour les Ruthénois. C'est bien pas. Oh, ça passe vraiment à côté, c'est au-dessus et c'est terminé. Sochaux s'impose 2-1 face à Rodez. Et Nîmes 16ème malheureusement. Enfin malheureusement. Ça va, il remonte. Ça joue entre, si vous voulez, encore entre Pau et Bordeaux. Il y a 5 minutes additionnelles. C'est vrai qu'il y a eu. Il y a 4 qui sont. Attention, le centre pour aller chercher Bagra. Oui. Non, c'est dégagé. C'est dégagé de la tête. J'ai même pas vu si Junior Flemings a joué à New York. Enfin avec New York. Je suis pas sûr parce qu'il a signé le 31, donc c'est possible aussi, donc non du tout. Il était même pas avec le groupe. Non. Jamaïcain de Toulouse. Abzi. Il reste 40 secondes. Ils sont dans l'attaque les